Bonjour à tous, c'est parti pour la troisième technique de la semaine. Allez, en cuisine! Bonjour à tous, bienvenue sur R2.fr. Donc hier on a conçu la crème de pommes de terre fumée. Aujourd'hui on va la mettre en siphon et on va apprendre à utiliser un siphon. Donc on met la crème dans le siphon. Donc pour que le siphon marche, il faut que la crème soit bien lisse. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de morceaux. Si vous mettez des morceaux, ça risque d'obstruer l'entrée du siphon et ça ne marchera pas. Alors ensuite on referme le siphon. Alors là je vais mettre deux cartouches car le niveau du siphon est à peu près à 50%, mais si vous remplissez le siphon, il est préférable de mettre trois cartouches. Vous insérez la cartouche et vous tournez. On insère de l'air dans le siphon. On va en mettre une deuxième. Et on secoue. Voilà, c'est prêt. On se retrouve demain pour le dressage et donc pour l'utilisation finale du siphon. Bonne soirée.